Bienvenue sur Studio Bubble Tea et pensez à télécharger notre application gratuite afin d'être informé et de voir les vidéos de nos trois chaînes et de répondre à des quiz, des sondages, des jeux afin de gagner des étoiles et des cadeaux toute l'année et aussi de jouer à nos mini-jeux qui sont inclus dans l'application. Bientôt, prochainement, sur vos écrans sur Studio Bubble Tea. Une médaille de bronze ici. Deuxième médaille de bronze. Attention, c'est Justin Jump qui nous dit la plus grosse punition, c'est roulement de tambour, elle écrit. Un roulement de tambour, s'il vous plaît. C'est de couper l'herbe du jardin au ciseau. Oui. T'imagines? Allez, tu vas tondre le gazon. Ah bon? Avec des ciseaux. Ça fait long, hein? Voilà, c'est tout nouveau. On va dire que t'as bien commencé 2018. Oui, ben voilà. Mais oh là là! Non, mais calice! Oh là là! Oh, j'ai tiré la chasse! Chercher les 4 surprises dans les toilettes aujourd'hui en vidéo. Mais oui, mais pas ça. Allez, venez voir. Et mon Uber 4, il est où? Il est où mon Uber 4? Il est là-bas. T'as sûrement dû l'oublier. Mais il n'avait pas éteint parce que du coup, je suis parti te récupérer dans les toilettes. Oh là là. Mais attendez, hey, regarde, Cali, c'est ça que je voulais te montrer. C'est quoi, Athéna? Oh, des toilettes. C'est ça, regarde. C'est des toilettes avec des surprises dedans. Il y en a 4 oh, à collectionner. C'est bah aléatoire. Fallait le dire plus tôt. Et on va les chercher dedans, mais c'est pas des vraies toilettes. Ouf. Et ça, c'est Speedmaster qui nous les ont donné. Ce sont ceux qui font les Hatchimals. Hatchimals, vous êtes les ambassadrices de Hatchimals en France. Et eh bien ça, ça vient tout juste à peine de sortir dans tous les magasins de jeux qui se respectent. Voilà, peut-être qu'il y en a même qui ne l'ont pas encore, mais ça va arriver. Donc eh bien, on va commencer, on va ouvrir notre premier, comment ça s'appelle? Le Flush Force. Alors Flush, c'est chasse d'eau en anglais. Donc la force de la chasse d'eau. Et c'est quoi la chasse d'eau? Ah oui, ça fait bien le bruit de chasse d'eau, dis donc. Ça, c'est le bruitage. Ah oui, d'accord. Ah bah ça pète. Non, mais je sais pas trop ce que c'était, mais je veux pas savoir. Alors, les filles. Alors déjà, on peut déballer la boîte. Alors, si t'as besoin d'un petit coup de ciseau, tu le dis. Alors attention, parce qu'il y a un opercule. Hop. Alors, ça, ça marche comment? C'est ça, en fait, qui se... Ah, non, j'ai compris. En fait, c'est juste les surprises qui sont à l'intérieur. Ok. Est-ce que tu arrives à l'enlever? Non. Bon, attends, on va déjà ouvrir les toilettes. On va déjà enlever les toilettes, mais il y a peut-être quelque chose à couper derrière. Non. Pour l'instant. Très original en tout cas de mettre des surprises dans des toilettes. Regardez, il y a même des taches d'eau sur les toilettes. Je suis pas sûr que ce soit vraiment de l'eau. Alors attends, remets-les dedans. D'accord. On va d'abord détacher les toilettes. Oh là 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 là. Et après, on va bien regarder la boîte quand même. On va poser les toilettes et la boîte. Alors c'est la première fois qu'elles ouvrent ça. Là, c'est normal. On est en train de voir comment ça marche. Enfin, mal. Je pense qu'il y a un truc à... ici. Ah ouais. Comme d'habitude. Et la télévision des toilettes pour qu'on les voie mieux, les surprises, pour les ramasser. D'accord. Coucou. Et du coup, on n'a pas dit bonjour. Ça va, le petit copain? Bonjour à tous. Hello, Cali. Salut, Athéna. Bon, alors... Ça va, cette téléjournée? Ouais. Ouais, parce qu'on ne tourne pas la vidéo à 7h du matin quand vous la voyez en ce moment. Ou à 9h, c'est quand c'est le week-end, les vidéos sont à 9h du matin. Voilà. Et non, on les tourne bien sûr en journée, on ne fait pas ça au réveil. Parce que des fois, il y en a qui demandent en commentaire, vous faites des vidéos à 7h du matin? Non. Bon alors, ah ça y est. Les surprises sont bien dedans? Oui, enfin, je pense.
pense. Alors, on va regarder la... avant de regarder les surprises. Non mais attends pas, sérieux. Non mais Calice. Oh là là. Oh, j'ai tiré la chatte, tant pis. C'est drôle. Elles sont... En fait, c'est la boîte pour les surprises, mais c'est une boîte rigolote. Voilà. Donc, voici il y a les petits sachets. Dans ces toilettes surprises, 4 surprises avec un petit sachet. Vous en ouvrez 2 chacune, mettez-vous d'accord sur lesquelles vous allez ouvrir. C'est bon, c'est que des noirs. 4 à l'intérieur quand même. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça va être? Il paraît qu'il y a des rats, il y a des petites bestioles bizarres, rigolotes, sympatoches. Ah. Qu'est-ce que c'est? Un poisson globe. C'est un poisson globe. Oh, c'est bizarre. C'est un poisson globe. Mais c'est mignon. Mais ça, c'est un... Ça se met sur un crayon. C'est un petit cochon tendu au plafond qui révèle un crabe. Trop cute. Oh, t'as un petit crabe. Ça y est, t'as les deux. Alors, merci. Et c'est souple, hein. C'est un petit peu caoutchouteux. Donc là, nous avons un chien qui grogne. Et là, nous avons un petit crabe. Papa, c'est un phoque pirate. Eh, c'est cute, hein. C'est cute, ce sont, en fait ceux qui font les hachimols. C'était tellement proche que t'avais fait tomber le poisson. Sauf bien sûr que ce ne sont pas des hachimols, mais c'est la même taille et c'est très rigolo aussi. Voilà, des petits animaux. Alors, je vais faire pipi. Attends, je peux fouiller les toilettes. Maintenant, je vais tirer la chasse. Mais non, c'est pas ça la chasse. Non, c'est pas ça la chasse. Non, c'est pas ça. Caluche, qu'est-ce que c'est? Je tire la chasse. Oh non. Ça y est, j'ai fini. Oh, regardez, il y avait un poisson globe dans les toilettes. Ah, bah, il a le poisson, on le cherchait. Et voici toutes les figurines de cette saison 1. En fait, non, elles sont pas toutes là. Il y en a 150 à collectionner, je crois. Mais regardez, comme c'est chou. C'est un petit peu flou. Voilà, tout ça. Ils ont vraiment des bonnes bouilles. Il y a le double chien. C'est drôle. Oh là, il y a une fourmi rouge. Il y a plein de choses. Oh, le gros perroquet. Oh, très sympa. T'aimes bien, Athéna? Ouais. Oh, trop chou. Voilà. La chasse d'eau qui indique la racapépette. Et voici les 4 surprises des toilettes de Flush Force, la saison 1, la série 1, avec un crabe, je l'adore, j'adore. Trop chou. Il est trop choupinou, avec ses petites pattes là, ses petites pinces, ses grosses pinces même. Il y a un phoque pirate avec sa bouée. Il y a un petit chien qui grogne. Après tu peux... Hé, regardez le petit chien. Ah non, je crois qu'il y avait une... Si, c'est une sirène, non? Non. C'est un chien sirène. C'est un chien si. Non, c'est un chien, un sirène. Ou Et là, c'est un pinvin. Là, c'est un pindin. Et là, on a le poisson lune indien. Poisson lune indien. Et tous se mettent sur un petit crayon. Oh, c'est même pas un phoque. Regarde le bec. C'est bizarre. Moi, mon préféré, c'est le crabe. Je le trouve trop mignon. Et vous, c'est quoi votre préféré? Moi, trop mignon, c'est lui. Et en préféré, c'est lui. Okay. Et en beau préféré, c'est lui. Et toi, Calice? Et en moi, j'aime bien ces deux-là. Ces deux-là? Ouais. Ok. Et vous, en commentaire, dites-nous lequel vous avez préféré parmi les 4. Si vous aimez bien, c'est Flush Force. Voilà, c'est tout nouveau. On va dire que t'as bien commencé 2018. Oui, ben voilà. Mais attends! En tout cas, bon, voilà, on s'amuse. Même quand les surprises sont ouvertes, on s'amuse. Bon, allez, c'est rigolo, c'est bon enfant. Ça y est, fini. Les toilettes, c'est très à la mode dans les jeux. L'année dernière, on a eu des livres toilettes. Et on a eu aussi, tu sais, que les trucs qui arrosent, ouais. Voilà, et là maintenant, on a Flush Force. Ok. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en rouvrir de toute façon en 2018. Merci encore à Spinmaster de nous avoir envoyé ces petites toilettes. Et on vous réserve d'autres surprises en parlant d'Hatchimals tout à l'heure. Il y a les Hatchimals saison 2 qui sont sortis avec des œufs, non pas bleus, mais roses. Et on fera une vidéo spéciale pour ça. Très, très bientôt. Ok les filles. Ok. Alors, bisous Calice. Bisous Athéna. Wow. Et on se dit à demain sur Studio Bubble Tea. D'ici là, soyez vous. On se fait la petite conclusion. Soyez bien
Vous aimez cette conclusion? Soyez bons. Eh bien, on l'a fait tous ensemble. Vive le rêve. Ah, ok.